Hello la famille, voici une autre localisation de bonne humeur par ici. Invité surprise également aujourd'hui, nous allons recevoir Didi Yéman. Vous avez apprécié l'intro de Yann Bana. Applaudissements. À la suite, nous aurons avec nous le mannequin Adonis. Également beaucoup beaucoup de surprises dans l'équipe du Miri. You are ready man. Le cassaba à Toyama, le bicho coré d'Alvador. Péro de péro, imbécile, les autres aussi libres, petit imbécile, ya. Y'a vacances et puis y'a live vacances. Y'a vacances et puis à Life Vacances, c'est bien sûr les vacances sur Life TV, le canal 6 de la TNT, également le canal 6 et 206 du Bouquet Canal. Guy Pacom se met la localisation parfaite. Yibaï, applaudissements pour la douceur Yibaï. Yann Bana. Par ici, les actus croustillantes, les anecdotes, tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte, les paparazzi, les congossas de la ville, sont gérés de mettre pas Yibaï dans les bérets du midi. Waouh, 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 waouh. J'ai fait exprès. J'ai fait exprès, j'ai fait exprès de ne pas te saluer parce que je voulais faire un bisou. Tu me le permets? Bien sûr. Alors, applaudissements pour le bisou! Dis pas comme c'est terrible, ouais. Hein. Mais faut dire que Yann Bana nous avait moqué, hein. Oui. Le plus grand gomboïste de l'équipe du midi. Hein? Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Yibaï, depuis la forêt du Congo. Non, il y a parlé. Que veux-tu dire donc? C'est en préparation du spectacle qui a lieu. Mais toi, me disais que tu me parles de gombo. Le 23 août. Non, je ne suis pas d'accord. Bon, d'accord. Parce qu'il y a un petit proverbe chinois qui dit. Attention. C'est on tient nous habits, nous tient tout le monde. C'est qui veut dire? Sans doy n'est rien. Allez, les bérets avec Yibaï. On va rappeler quand même que Yann a son spectacle dans quelques jours. Le 23 août au Grain, à partir de 16h. C'est le vendredi. Le vendredi. Attends, c'est déjà arrivé. Au Grain. Vendredi. Est-ce que tu es stressé? Pourquoi? Il y a longtemps, elle est dans. Est-ce que les tickets sont encore disponibles? Ouais, il y a encore quelques-unes personnes qui tardent un peu là. Okay. Sa boîte.
Ça va. Mais bon, bah, on vous attend, c'est pas trop tard. J'espère que le Real Ibé va occuper des tickets puisqu'il a la main sur le cœur ou le cœur sous la main. Merci. Yann. Toi, si c'est pas 110 ans, t'as pas mouru. Amen. Yann, la régie demande, est-ce que tu donnes des places gratuites? Non, on ne peut pas donner place gratuite. Vous savez quoi, chers téléspectateurs, demain, soyez connectés, Yann va offrir au moins 2 tickets. Au moins 2 tickets. Officiellement. Voilà, officiellement, voilà. Mais vous savez qu'on va quand même démarrer les Bérets du Midi. D'accord. Avec Ariel Chenet et son épouse Nadia, que je vais demander d'applaudir sur ce plateau. Parce que malgré la phase difficile et l'épreuve dans laquelle ils sont en ce moment, ils n'ont pas manqué d'apporter un soutien au Centre national de radiologie et d'oncologie de Côte d'Ivoire. Donc ça s'applaudit encore. Ils ont souhaité ne pas divulguer la somme qu'ils ont donnée, mais c'est un grand geste. Ils n'ont pas regardé à leur propre épreuve, mais ils ont décidé de soutenir ce centre-là. Et franchement, bravo encore. Beaucoup de courage à vous pour cette épreuve dans laquelle vous êtes. En tout cas, beaucoup de courage. Guy Pacom. Bravo, bravo d'un côté et courage de l'autre côté. Franchement, au-delà du mal qui ronge notre Nadia Sabé, faut saluer cette belle initiative afin de soutenir davantage ceux qui en ont encore plus besoin, vous voyez. Et moi, juste chapeau et croisons les doigts, prions Dieu pour qu'elle puisse recouvrer la santé totale. Ouais, voilà. Je suis d'accord. On va poursuivre du côté... De Jonathan Morrison qui décide désormais à partir de 2025 d'inclure le basket au niveau du CAM. C'est comme ça qu'on dit, hein? Ouais. OK. Donc, au niveau du CAM, maintenant, ça ne s'appellera plus CAM Tchin Tchin, mais ça sera CAM Côte d'Ivoire. Donc, à partir de 2025... Donc, à partir de 2025, vous aurez et des tournois de basket et des tournois de maracana. Ouais. Petit poteau, voilà. Donc, bravo à lui, bravo encore pour cette initiative. On rappelle que la prochaine CAM Tchin Tchin, comme c'est connu, aura lieu en décembre. C'est ça, Guy Pacom? Oui, en décembre. En décembre. 2024. 2025, je crois. 2024. Ah, okay. C'est à partir de 2025 que le basket intègre, et que ça devient CAM Côte d'Ivoire. Désolé, je ne suis pas trop foot. Hein. C'est simplement lorsque la Côte d'Ivoire joue et qu'il y a des animations, voilà, là, on devient foot. Tout le temps, bien. Et moi, je salue justement cette belle initiative de booster le basket. On se rappelle à travers les gains qu'il offre, qu'il fait, ça crée une émulation, ça crée vraiment beaucoup d'engouement. Donc, on espère que ça sera pareil pour le basket. Je me rappelle qu'il jouait au Ripopo. Ancien boulot. Je ne suis pas trop sûr. Bana, moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses que CAM Tchin Tchin a perdu de sa valeur? CAM Tchin Tchin a perdu. Enfin, moi, normalement, je pense que non. Parce que vu l'engouement autour, même la deuxième partie, je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait eu un petit discours sur ça. Même la personne même qui a pris est agbé. Donc, je pense qu'il y a encore de l'engouement. Donc, n'a pas perdu sa valeur, en fait. Parce que normalement, il y a un proverbe congolais qui dit. Non. Quand il dit mes proverbes, il faut éviter de rire. OK. Voilà. Il y a un proverbe congolais qui dit, et très sérieusement... Attention. Mozala mangata yo lokao, inza ko bangata localisation, na zala be kote, manko oza manga, nukutuwa yika ndenge. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire quelque chose qui t'a localisé là. Si tu veux, faut monter, si tu veux, faut descendre, ça va t'arriver. Et il faut rappeler justement que Jonathan Morrison s'est donné vraiment tous les moyens parce que justement, pour cette CAM Côte d'Ivoire, il joint en partenariat avec la Fédération ivoirienne de basketball. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il a fait tout seul comme ça. Il s'est vraiment connecté, on va dire ça comme ça, avec des institutions régies pour vraiment tout, pour que tout soit bien fait dans le bon ordre. Non, il a bon cerveau. Il réfléchit bien. Ben, vous savez, il y a une photo qui tourne récemment sur Internet. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Ben, c'est celle qui s'affiche présentement. C'est une femme qui dit qu'elle souhaite se marier comme ça, telle qu'elle se réveille tous les jours. Elle ne veut pas mettre un quelconque artifice sur elle le jour de son mariage. Aucun make-up. Elle est belle, hein? Très belle. Hein? Ni make-up, ni mèche, nothing. Vraiment rien. Je dis, elle est belle, elle est très belle. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça, de ce côté très naturel? Donc, ça veut dire... c'est que moi, je veux savoir. Donc, elle s'est réveillée comme ça et puis elle s'est mariée.
Naturellement. Naturellement. Oui, justement, c'est pour ça. Donc, que... elle n'a pas bourgué. Bon, ça, je ne sais pas. Ça, c'est autre chose. Hein. Quand on embrasser la mariée. C'est non, mais la... je pense qu'elle s'est lavée, elle s'est douchée. Mm-hmm. Je pense qu'elle a fait le nécessaire. C'est juste qu'elle a décidé. Parce qu'il faut rappeler que la photo a fait le tour d'Internet et que ça a vraiment créé un buzz. Les gens se sont demandé, mais comment c'est possible? Comment son mari a quand même accepté? Je ne sais pas quelle était l'intention. Guy Pacom, est-ce que toi, tu aurais accepté que ta femme se présente comme ça le jour du mariage? Non, mais au moins, comment ça s'appelle? Parce que tout à l'heure, tu as dit qu'elle était très belle. Hein. Faut pas lui peigner. C'est tout à l'heure, tu as dit qu'elle était très belle. Très bien. Non, j'avais pas bien vu, au fait. Faut saluer. Attends, c'est pas fait à dessin. C'est pas pour du buzz par hasard. Non. C'est pas pour du buzz. En tout cas, pas de ce qu'on a vu sur Internet. Ah ouais? C'est pas pour du buzz. Mais franchement, moi, j'aurais du mal. Hein. J'aurais du mal à ce qu'une femme me suive ainsi, franchement. Mais je dis juste se coucouner un peu. Parce que c'est un jour qui n'arrive pas comme ça. C'est une fois dans la vie. Mais moi, ils n'auraient pas de problème avec ça. Ah bon, ouais. Parce que matin, on voit qui est plus beau. Okay. Mais tu es d'habitude de dormir avec elle. C'est que tu peux la voir comme ça tout le temps, à chaque moment. Peut-être que tu peux dire que bon, les yeux d'autrui. Voilà, d'autrui, voilà. Attends, autrui, nous, on s'en fout d'autrui. D'accord. Nous, on ne vit pas pour autrui. D'accord. On s'est marié, elle a voulu faire ce qu'elle est dans elle son cœur, elle a fait. Moi, donc, on ne peut pas oser la mettre. J'aimerais avoir l'avis de quelqu'un dans le public, quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait partager son avis? On a une dame ici qui est très naturelle et j'aimerais avoir ton avis. Ouais, j'aime. Alors, avec les nattes, là. Est-ce que toi, tu te marierais comme ça et qu'est-ce que tu penses justement de cette photo? Pas fait ça. Vu que c'est une fois dans la vie, donc au moins il peut me coiffer quand même, me rendre un peu dérougé. Non, je n'ai pas fait ça. OK. Sinon, ben... on salue, franchement, on salue. Il faut être naturel dans la vie. Mais franchement, il y a, pour certaines occasions, il y a quelque chose à faire. Bon, après, moi, je me dis que. Pour certaines occasions, ça c'est vraiment libre à chacun. Mais je pense qu'elle aurait quand même pu... Moi, je n'ai aucun problème avec une femme qui ne vient pas maquiller à son mariage. C'est son droit, on en voit. Elle peut se payer, mais au moins. Voilà, je pense qu'elle aurait pu quand même mieux arranger ses cheveux et tout. Juste ça, elle n'était pas obligée de se maquiller ou de se coiffer. Mais là, tu sens vraiment que ses cheveux ne sont pas du tout... peignée, c'est comme si à la dernière minute, elle s'est levée et tout, juste arranger ses cheveux. Maintenant, après, si son mari l'aime comme ça, ben, heureux mariage à vous. Mais oui. vous avez parlé de la dame seulement. Et fesse du monsieur qui dépasse son bras. OK. Oui, c'est bon. Pas encore, c'est bon. Ouais. C'était tout pour les beurres du midi. Yann, voilà, franchement, souvent, je me demande, est-ce que c'est 2,25 francs 50? Mais bon, c'est pas grave, il a parlé de veste du monsieur qui dépasse, je sais pas, son poignet ou quoi. C'est pour la mais femme celui qui a... Vu. Comment? Tu as dit quoi? C'est pour la dame, là, vous avez vu. C'est pour quoi? Pour la dame, là, vous avez 25 kilomètres, là. OK, celui qui arrive, franchement, il maîtrise à la perfection les vêtements, également, il a une aisance, et il a une manière de porter, de faire la mise en valeur des vêtements. Il est mannequin international, c'est une fierté nationale et internationale, c'est un Ivoirien, Annie Bété, et on reçoit maintenant tout de suite, hein, visite surprise de Adonis Bosso. Adonis Bosso. Attends, tu sais ce qu'on va faire? La manière dont je t'ai annoncé là, tu vois, tu rentres en mannequinat. Non, en mannequin, c'est comme ça, dit non. En tout cas, il dit Adonis Bosso, tu rentres d'une manière, tu rentres, allez. Tu défiles. C'est quoi le match? Comment? C'est mannequin, ça? Adonis Bosso! Yeah! 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 OK! Bienvenue, Adonis. Merci, merci. Ça va bien? Très bien, et vous? Ça va super bien. Ibaï, Yann Bana, Guy Pacom Somia. Non, non, pas besoin de micro. Il a déjà un micro. On est heureux de te recevoir ici. Oh, merci de m'avoir. Ça fait combien de temps que tu es à Abidjan? Ben là, ça fait 2 semaines, vite fait, mais je m'en vais bientôt, malheureusement. Ah, mais tu ne dures pas, hein? Ah, c'est parce que mon fils, il commence l'école, donc il faut rentrer à la maison, vite fait. Papa exemplaire? Ouais, il faut. Justement, ça fait quoi d'être papa? Ah, c'est une belle expérience, vraiment. Être un papa africain, ivoirien, tout, aussi lui montrer, genre, le pays, tout ça, parce que lui, il est né aux États-Unis et tout. Okay. Et là, il est là avec ma belle-mère, sa grand-mère du côté de sa mère et tout, donc...
je les fais découvrir et tout. Ils ont rencontré, mangé tout, Asieke, Aloko, Plakali, Sauce Graine, tout ça. Pour rappeler que tu es ivoirien, voilà, vivant au Canada, et tu fais la navette New York, un peu partout aux États-Unis, ouais. Tu défiles avec de grandes marques, tu fais beaucoup de pubs, franchement, tu es le nec plus ultra en termes de mannequin international. Ça a été quoi tes débuts justement? Moi j'ai commencé à Montréal tout doucement, j'avais une petite agence à Montréal, ensuite ils ont fermé, donc j'ai bougé un peu. Ensuite j'ai trouvé une bonne agence et de là je suis parti à New York. Okay. Ensuite mon agence de New York m'a envoyé un peu partout et c'est vraiment quand je suis parti à New York que je suis allé en France, à Milan, tout ça pour le travail et ouais. Est-ce que tu as toujours rêvé d'être mannequin? Moi, au début, je faisais des études en éducation. Je travaillais avec les enfants dans les écoles, les enfants qui ont des troubles d'autisme et tout ça. Okay. Moi et mes parents, on a même un centre au Canada pour les enfants. Ah, ça s'applaudit, ça. Merci. Merci. Et ouais, le mannequinat, c'est un peu... On m'a toujours dit, oh, tu es grand et tout, nanana. Et genre, je me rappelle, quand j'ai commencé, c'était une copine à moi, elle était mannequin. Et je suis allé à son agence et ils m'ont pris en même temps. Et ensuite, là, c'est comme ça que tu as été repéré. J'ai été repéré. Vite fait. Donc, je me suis dit, bon, ben, on dirait que je peux faire ça. Et voilà, ça, grâce au mannequinat, je peux faire venir mes parents ici et tout ça, faire découvrir mon fils le pays. Donc, est-ce que tu peux dire aujourd'hui, donc tu vis pleinement et uniquement du mannequinat? Ouais, je vis pleinement et uniquement du mannequinat. C'est intéressant, c'est passionnant en t'entendre parler. Mais derrière, il faut rappeler qu'il y a forcément des difficultés quand même. Oui, tout à fait. Je pense que, parce que je viens d'un... Le mannequinat maintenant, c'est parce que c'était il y a... Moi, j'ai commencé il y a 10-15 ans, tu vois, okay. début 2000 et tout. Donc, on ne voyait pas vraiment des gens qui nous ressemblent sur les défilés comme ça. En griffe des gens des couleurs. Donc, voilà, elle est bien noire, bien jolie comme nous. Là. C'est maintenant que... Applaudissements, ça passe. Bien jolie comme nous. Je pense que c'est maintenant, après 2016, après les Américains, ils ont eu leur Wakanda Forever, tu vois. Et c'est là qu'ils ont compris que les Noirs, ça rapporte de l'argent, tu vois. Franchement. Mais nous, on a toujours su ça. Et moi, c'est un peu avec mon travail personnel, moi, j'ai voulu toujours montrer à quel point les Noirs, les Africains, les Ivoiriens, à quel point, genre, toujours nous montrer sur une bonne lumière, quoi. Est-ce que je veux savoir, c'est quoi ta particularité dans le mannequinat, genre, c'est quoi les vêtements que tu mets en valeur? Je pense que j'ai été capable de toucher un peu à tous les trucs commerciaux, genre les H&M, Zara, tout ça. Moi aussi, genre faire des trucs un peu plus moches, genre les Mike Ameri, les trucs plus tendance, les Balmain, les trucs comme ça aussi. Donc, je pense que j'ai été capable d'avoir une carrière assez versatile dans les trucs que je fais. Et je pense que c'est pour ça que je suis encore là aussi longtemps, parce que je peux faire plusieurs choses différentes et tout. Right. Assez original, assez atypique. Ouais. Applaudissements pour Adonis. Adonis, moi j'aimerais revenir. Dis-moi, ton fils, vous êtes vraiment, vraiment connecté, vous êtes vraiment intime, très, très lié. Comment est-ce que tu l'éduques dans la culture ivoirienne canadienne ou... Moi, on parle que français à la maison, même mes parents, ma mère, mon père, ils parlent français à la maison et tout. Et de lui, de côté de sa maman, il parle pas vraiment français. Donc moi, je voulais vraiment qu'il ait son français depuis qu'il est petit. Il parle français, anglais et tout. Là, il va avoir 6 ans le mois prochain. Mais est-ce qu'il sait qu'on est champion d'Afrique? Mais ouais! Si tu regardes sur mon Instagram, le jour même qu'on a gagné, on était là, on était au Canada en train de regarder avec nos maillots et tout ça. Yeah. On avait notre drapeau à la maison, on courait dans la... Fier d'être ivoirien jusqu'au bout. Vous savez quoi, chers téléspectateurs? On a envie de vous faire découvrir notre invité. On regarde.
franchement. On vient de voir là, donc, ses campagnes publicitaires, ses walks, comme on dit, toutes les fois où il a... Qu'est-ce que tu peux me dire, quelques maisons de couture pour lesquelles tu as dessiné? J'ai fait Balmain, j'ai fait Mike Amiri, j'ai fait Dolce & Gabbana aussi. Je faisais beaucoup Dolce & Gabbana. J'ai le visage de Dolce & Gabbana, genre vers 2016. Je faisais leur parfum, leur défilé, tout ça. Ouais, les marques américaines, genre Fear of God essentiel. Et là, on a vu Ivy Park, qui, est qui était Beyoncé, la collaboration de Beyoncé et Adidas. Ouais. Franchement, bravo. Bravo. C'est une fierté pour nous de savoir que la Côte d'Ivoire. Adonis Bosso est ivoirien, franchement, il défile pour ces grandes marques. Dis-moi, le mannequinat là-bas, c'est bien payé? Ouais, quand même. On gagne bien notre vie, tu vois. Qu'est-ce qui était le plus gros cachet jusqu'à présent? Je pense que le Beyoncé, c'était quand même... Elle nous a mis à l'aise. Hein. D'accord, on profite en même temps pour demander qu'est-ce qui fait ton actualité en ce moment? En ce moment, j'ai un contrat de 10, donc je travaille sur ma musique et tout. Je continue avec le mannequinat. Ça paye les factures, ça aide, ça aide mon fils et tout. Mais ouais, en ce moment, je me concentre sur la musique. Et tout. La musique, hein? Oui. D'où te vient cette fibre artistique-là? Mode, musique? Je pense qu'on est ivoiriens, on est des artistes, un peu. On est tous sur on la est culture, on aime s'habiller, on a du goût, tout ça. Donc je pense que on est pluridisciplinaire. Donc je pense que c'est un peu dans notre culture, dans ce que j'ai appris, à voyager et tout ça. Donc ça a aidé à former qui je suis en ce moment. D'accord. Adonis est en vacances. Il y a quoi au menu? Là, il me reste 2 jours. Je vais peut-être faire un petit tour à Sassandra, aller voir quelque chose, finir quelques trucs, et ensuite. D'accord. Ouais, peut-être. Quelques journées à la plage avec le petit avant de prendre l'avion. D'accord, il n'y a pas de souci. Guy Bacom, j'ai envie de jouer avec lui. Vas-y. Tu dis que tu es ivoirien. Ouais. C'est vrai que tu as duré un peu de l'autre côté. Mais j'ai envie qu'on fasse un jeu. D'accord. Est-ce que ça te dit? Ouais, on suit. D'accord. Je vais te donner des mots en français et tu vas me donner le mot en nouchi. D'accord. En nouchi, hein? Oui. Ouais, traduction en français, nouchi. Vas-y. Okay. Manger. Manger d'abord. Ok. Affairé. Vous avez dit ça tout à l'heure. C'était quoi les bérets, ouais. Les bérets. Et l'argent. C'est quoi? Il y a soit le jet ou le. C'est ça. C'est ça, le jet. Bravo. Yann. Tu peux envoyer quelque chose? Hein? Et le gars avec des grabouettes, il n'a pas n'amaïka. Il décraboite, il n'a pas n'amaïka. Il a n'amaï, il a décraboité, il est versé. Ça veut dire quoi en bon français? Il est versé. Sérieux, je sais pas. Il a dégraboité, il est versé. Ah, d'accord. Il a bu. Il a bu. Il s'est saoulé, maintenant il est tombé. Et travail? Le travail, ça dépend parce que ça. Non, parce que Gombo, c'est contrat. Okay. Travail, c'est. Ça commence par B. Bah, non. Non, ça vient chez Fatima. Bara. Ouais, bon, au moins, je pense que l'amour, quand tu as une peine de cœur, tu sais comment on appelle ça? Ça, il sait. C'est soit on a cassé ton cou, soit on est. Quand tu as une peine de cœur. J'ai trop. Ça commence par G. Chagrin. Chagrin d'amour. G-O. Pour les embêter. G-O-U. Goût. Goumen. Oh, wow. C'est facile en plus. Adonis, elle mourit. Mourir? Attends, je suis pas sûr. Vas-y, dis-moi. Ja. Ah, t'as déjà, ouais. Le dernier, c'est parler. Comment on dit parler en nouchi? Quand on dit je vais te parler, on dit je vais te. Je vais te. Je vais te couman. Couman. Oui, d'accord. Je vais te couman. Moi aussi, il y a où couman quelque chose. Adonis, moi, te couman quelque chose. Tu sais, tu fais beaucoup de pubs, tout ça. Nous ici aussi, on a de la pub. Donc, on va à la pub maintenant. D'accord. Yeah, man. De retour dans l'équipe du midi. Il faut le rappeler, votre émission de vacances sur Live TV, c'est du lundi au vendredi, 11h30, 12h45. Avec la Team Choc, TikTok, Yann Bana, Guy Pacom, souviens la localisation. Yibaï. Ça te dit un petit show avec celui qui nous donne rendez-vous le 23 août? Oui. Yann Bana Kitoko. Yasso le monde en Angaï. Sambiga. Yasso le monde en Angaï. C'est qui veut dire? Come on.
Petit proverbe, Burkinabé qui dit d'accord. Mais la suite, ça sera une prestation de notre invité surprise. Oui, parce qu'il nous a dit tout à l'heure que maintenant il touche à la musique. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire déjà un petit a cappella? D'accord. Avec ton micro. Ah, let's go. I try to let go, 'cause I know nothing's like before. But mine's already set on you. What am I to do? If I cry, let you know, I would die if you back up and you go. I didn't mean to upset you. Yeah, good music by Adonis Bosso. Adonis Bosso, merci, by Adonis. Performance. To let go, 'cause I know nothing's like before. But my mind's already set on you. What am I to do? If I cry, let you know, I would die if you packed up and you go. Oh, I didn't mean to upset you, but I can't watch you. J'aimerais que tu puisses nous communiquer tes réseaux sociaux pour nos chers téléspectateurs. Eh bien, sur Instagram, je suis Septembre Papy à cause du septembre ici. Et tout le reste, je suis Adonis Bosso, Adonis.bosso, vous allez me trouver facilement. TikTok, Instagram, ouais, Facebook, voilà. Un peu partout. YouTube, tout ça. D'accord. On te souhaite de très, très bonnes vacances. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. On espère te revoir très, très merci bientôt. La team. Mais allez, tu sais quoi, on a envie de te garder. On vient entrer dans une rubrique, tu sais, Guy Pacom. Oui. Et la rubrique, ça s'appelle « On est avec qui ». Est-ce que tu peux dire « On est avec qui » ?« On est avec qui ?» On est avec qui, c'est maintenant.
serons avec celui-là qui a une licence en cinéma et audiovisuel, passionné de danse. Il a été revelé par une grosse émission de danse, notamment Baby Dance Battle. Il est avec nous, c'est un hit maker, un banger. Merci de faire un tonne d'applaudissements pour Didi Yeman. Yeah, Didi. Une menace a été détectée. Didi Yaman, bienvenue. Merci. Bienvenue. Mais sur l'équipe du midi. Mais mon ami, j'ai fait le truc, quand tu n'avais pas dit si c'était ça ou c'était Bomba. On a 4 sur 10. Il y a quoi? 4 sur 10. C'est qui Benny? C'est qui Benny? Poto Nangai. Dis-moi, comment tu vas? Ouais, il va super bien, vieux. Ça se passe, hein? Ouais, on est. Was ding ding. Ouais. Tu reprends Was ding ding? Was ding. Ouais, très, très bien. Bienvenue dans l'équipe du midi. Nous sommes heureux de te recevoir. Dis-nous un peu, cette passion pour la musique, je sais pas, Safarel Obiang, Ariel Chéné, Serge Benoît, ça démarre à quel moment? Ça démarre au moment de DJ Arafat, où il y a les 202, il y a les Frappé Naboula. Mm-hmm. Voilà, c'est là qu'il a commencé à aimer la musique, mais je ne pensais pas être artiste. Mm-hmm. Voilà, moi, je jouais billes, ça me plaisait. Tu faisais quoi? Je jouais aux billes, ça me plaisait. Je dansais un peu au quartier, c'est tout. Voilà. Mais il est arrivé, tu n'as même pas dit comment tu vas? Non, j'ai dit bienvenue. Hein. Non, j'ai dit bienvenue, mais quand bienvenue, tu reçois... J'ai dit bienvenue, on a commencé à causer en même temps. Hein. Non, mais c'est ça. Tu n'as pas planté d'abord le décor. Comment le... tu vas? D'accord, attends, je vais planter. Beau. Bon. Ah, comment tu vas, Didi Yaman? Super bien, super bien. On est très heureux de te recevoir sur notre plateau. Est-ce que tu peux me dire, moi, j'aimerais savoir d'où est-ce que Didi Yaman, ça vient? Pourquoi ce nom? Didi Yaman, ça vient d'abord de mon prénom. Anderson. Ok. Anderson. Bamlin. Vieux. Faut Bamlin. Ça là. Ah, ok. Ah. Anderson. Dis pas comme. Anderson. Bamlin. On a pris Andy. Andy maintenant qui fait Didi. Et Yaman. Yaman maintenant qui est mon prénom. Ok. Est-ce que Amman, c'est comme ça qu'on t'appelait? Amman. Ouais. Là, Yaman pas. Tu vois, tu peux être un peu. Mais Yaman, c'est de quelle ethnie? Wow. Oubi. Oubi, ça, c'est Oubi. De quelle... Faut pas dire haïe, c'est pas Oubi. Faut pas faire ça, hein. C'est de quelle région de la Côte d'Ivoire? Nous sommes en alliance avec les BT, nous sommes avec Guiglo. De l'Ouest, okay. Hein. Ah. On dépasse quelque Oubi. Part là-bas. Non, Oubi, Oubi, faut pas faire ça, vieux. Oubi. Oubi. Ah oui, franchement... C'est pas jamais... Oubi. Ah, j'ai jamais entendu ça. Eux, parlent quoi? Genre, c'est comme Kéré. Ah, j'en ai plein de blagues dans le ok. Didi Yaman aujourd'hui est un artiste chanteur, yeah. Mais on t'a connu comme étant danseur. Oui. Est-ce que tu as laissé définitivement ce côté-là? Je n'ai pas laissé. Hein. Je suis toujours dedans. Au conseil même de Tim Peya, il a sauté un peu sur mon dos. Ok, très bien. Voilà. Tu as sauté sur ton dos. Ouais. D'accord, Didi, dis-moi, est-ce parce que le métier de danseur ne nourrissait pas son homme? C'est la raison pour laquelle tu as fait la transition pour être chanteur? Pas que ça ne nourrit pas son homme, mais il voulait plus dépendre de moi-même. Ok. Voilà, quand tu es danseur d'un artiste, tu ne dépends pas vraiment de toi. Ok. Voilà, donc il voulait moi-même voir, expérimenter encore plus de choses. Et quelle expérience particulière tu gardes de chaque collaboration avec ces grands noms du coupé décalé, notamment Ariel Chéné, Serge Benoît, Safarel Obiang? Tu peux nous expliquer un peu? Ouais, moi je retiens que ce sont de grands bosseurs. Voilà, quand tu es derrière un artiste, tu vois pas vraiment les réalités que l'artiste vit. Mm-hmm. Voilà, donc c'est lorsque tu deviens artiste, que tu vois comprends. Vraiment que ah, lui qui est là, il sait pas, hein, ouais, pas, et puis il reçoit vraiment des coups que toi-même tu n'es même pas au courant de ça en fait. Ouais, donc moi, je les félicite et puis bon, ce sont des exemples. Il y a pas à faire des non, lui là, son sont amoussés, donc il est fort que l'autre. Non, ce sont mes vieux pères, on reste dedans et puis bon, grâce à eux, je suis devenu celui que je suis aussi. D'accord. Salutations donc à tous ces artistes-là pour lesquels Didi Yaman a travaillé en tant que danseur. Et on découvre Didi Yaman en tant que danseur à travers cette compile qui suit. Voilà. Come on.
Que nous avons pris plaisir à découvrir, à redécouvrir à travers cette compil. Didi, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois cette vidéo? Tu te rappelles? Ça, c'est beaucoup d'épreuves. Hein. Quand tu finis, t'es poum, 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 poum. Et justement, tu te fais ici, poum, poum, justement poum. Parlons d'épreuves. J'aimerais savoir, c'est quoi ta pire expérience en matière de quand tu étais danseur? Moi, en tout cas, je n'ai pas vécu vraiment de pire expérience, mais tout était parfait. Quand je danse et puis ça ne crie pas, ça ne me plaît pas. Mais tu t'es jamais fait mal, tu n'as jamais eu... Je me suis déjà fait mal. Je me suis déjà fait mal. C'est quelle partie de ton corps? Ma hanche. Ah ouais, ça s'est déplacé? Ouais, je n'arrivais plus à marcher bien. Aïe. Ouais. Et tu dis que ça, ce n'était pas ta pire expérience? Non, pas vraiment. Ah ça, si ça, ce n'était pas sa pire expérience? Mais il poursuit là, il continue. Ouais. Didi, dis-moi, est-ce que tu as toujours rêvé d'être une star? Oui. Ah ouais? Oui. Pas forcément dans le domaine de la musique, mais il savait, était persuadé qu'on allait parler de moi un jour. On allait parler de toi, justement. Ouais. Dis-nous, à quel moment tu commences à comprendre, à voir, à te rendre compte que le succès vient? La pression. La pression? Oui, la pression. 11 millions de vues. 11 millions de vues? Oui. Mais moi, je veux savoir, qu'est-ce qui te pousse à aller en studio, justement? Parce que... On connaît beaucoup d'anciens danseurs qui sont devenus artistes, mais qui n'ont pas percé forcément. Okay. Donc, qu'est-ce qui te pousse justement à aller en studio? Avant d'être artiste, j'étais directeur artistique. Voilà, du coup, j'ai préféré essayer. OK. Parce qu'il y avait seulement 2 mois pour partir au Canada, rester là-bas. Ah, OK. Ouais. Donc, j'ai dit, OK, si les gens prennent, je reste. Peut-être que mon vieux va dire, il faut continuer. Donc, il a dit à Dieu, il a prié sincèrement. Il a prié, il a dit que, ah, Seigneur, moi, je ne vais pas partir au Canada. Il faut faire ce qu'il veut. Il s'est dit, fais là-bas, là, ça va prendre. Premier son, ça a pris, ce genre, ça a donné un peu ce que ça devait donner. Ouais. Il a vu qu'il était sérieux, mais lui-même, il ne savait pas qu'il était artiste. Tu vois? Donc, ça a donné un peu. Quand il a fait sortir la pression, là, Canada, waouye, on reste à Béja. On reste à Abidjan. Bana, tu as une question pour notre invité? En fait, je pense que ce que j'ai juste à dire, c'est... Il était très bon danseur. Moi, particulièrement, je ne savais pas qu'il était aussi bon danseur. Parce qu'il est sorti dans le dos dans le concert. En tout cas, il est sorti dans le dos. Hein. Il est sorti dans le dos. Hein. Bouh, bouh, bouh. Quand il a vu ça, il a dit, aïe, c'est le même Didi, là. Franchement, bravo. Hein. Bravo. C'est le même Didi. On a vu les H, les Fali Poupa, on a vu plusieurs. Moi, je te souhaite d'être plus que tous ceux-là. Amen. Voilà. Amen. Amen. OK, Didi, tu nous permets, on part apprécier, réapprécier encore une fois, oui. Une compile de tes vidéos. Pour vous qui êtes à la maison, voici Didi et moi en vidéo. Il a raconté quoi là-bas? Elle a dit quoi la fille là? Que tu sais pas danser, c'est faux. Il y a le petit pas, mais t'es dans léger. Oh, doucement, c'est léger. Eh, doucement, tout est léger. Eh, doucement, tout est léger. Eh, doucement. Ça, Didi et moi qui devais c'est qui de Versailles? Le cyborg belge. Le frère. Dans le temps, parce que le temps qui est dans le temps, il est venu notre maintenant avec Esmoulé. Il est ma douleur, avec Esmoulé. Appelez-moi Mario, où sont les cuillers des dandons?
tu débats. Babé, tu débats pas. C'est pas fini, soit Ariel le Parisien, casse le fort au bout. Son qui bébé Wally, il faut déposer. Faut déposer, hé papa. Faut déposer, hé maman. Faut déposer, hé maman. Léon de Bré, la démon du Baraba. Parabelle, ça du Baraba. La démon du Baraba. Baraba, dini, dini, dini. Didier Mon, Didier Mon, tout feu, tout flamme dans l'équipe du. Et moi, je veux savoir comment tu t'es senti après ce succès. Il m'attendait pas à ça. Il savait pas que les trucs étaient comme ça. Quand ils sont prenés, il savait pas qu'on pouvait t'inviter autant de fois. Et tu allais être fatigué, tu dors, on dirait qu'ils t'ont frappé. Et après, tu encaisses là. Ouais, c'est ça, le truc, en fait. Ouais, mais c'est ça. Les économies aussi, on n'oublie pas. Voilà, donc, sans producteur, il m'en sort. C'est ce que je voulais te demander. Donc, tu t'auto-produis. Ouais. Franchement, moi, je salue. J'ai fait ma direction artistique. Ouais, ouais, ouais. Moi-même, il m'auto-produit. Mais comment tu fais pour te produire toi-même? Bon. Parce que je veux dire qu'en tant que danseur, tu n'as pas eu l'expérience de ce que c'est que de voir un producteur gérer ta carrière d'artiste. Oui. Tu es passé, tu as switché de danseur à artiste et sans producteur. Certains ont eu la chance ou ont eu un producteur avant de pouvoir s'autoproduire. Donc, ils ont eu la capacité de voir comment le producteur faisait. Mais là, tu es en train de nous expliquer que de danseur à artiste, tu t'autoproduis. Comment ça va? Oui, mais c'est moi-même qui ai décidé de ne pas avoir de producteur pour le D'accord. moment. Parce qu'il y a trop de contraintes, il y a trop de critères, il y a trop de choses qui vont m'empêcher de faire sortir mes soirs. Actuellement, il fait sortir des hits et des hits. Ça danse. Si c'était vraiment dans une maison de production, tu aurais eu du mal. Ils allaient me dire que non, il faut attendre. Tu as fait ça voilà, là. Respecter le contrat, vois, voilà, les périodicités, voilà, sorties et tout ça. Et puis, bon, on m'est caché moitié à côté pour les clips et autres. Okay. L'agent de YouTube à côté. Et puis, s'il y a quelque chose à faire, je fais avec. Ouais. Tu sais quoi? On revient après la pub. Dans l'équipe du midi, et c'est ainsi tous les jours, du lundi au vendredi, de 11h30 à 12h45. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Didi Yéman, nouvelle coqueluche du coupé décalé, du Biama et tout. Et également, c'est quelqu'un qui a beaucoup digital, hein. Franchement, nous allons apprécier quelques challenges TikTok de Didi Yéman, et c'est maintenant. Souvent je vais danser, mais je sais pas danser. Aujourd'hui là, je vais sauter la face, rigue ta pose. Cracra, hey, cracra, hey, cracra.
Didier Yema. Oh, le tra-tra. Didier Yema. Hey, Didier Yema, mais le Whitey là, c'est quoi il faisait? C'était le truc? Ah, c'est Wawa Dede là-haut. Wawa Dede, ah d'accord. Okay. Mais moi j'aimerais savoir, que, parmi toutes ces vidéos TikTok là, il y a quelle star qui a eu à reprendre ta musique et ça t'a vraiment touché, qui a eu à faire un TikTok? Il y a José. Il y a José, oui. Mm-hmm. Ah, yeah. Il y en a. Ils sont nombreux. Hein. Il y en a tôt, beaucoup. Hein. Et tu peux, aujourd'hui, est-ce que tu peux vraiment confirmer et affirmer que c'est grâce à TikTok que tu as ce succès? Oui, trop même, trop. C'est grâce à TikTok. S'il n'y avait pas TikTok, ça allait être chaud. Parce que la promo d'avant et puis la promo de maintenant, c'est pas la même pas chose. Pareil. C'est le jour, c'est le jour de la nuit, franchement. Parce qu'avant, je me rappelle, il fallait faire le tour de tous les espaces de 18h à 8h du matin. Ah, mais aujourd'hui, grâce chaud, au digital, ça va très, très vite. Ouais. Et c'est quoi ta recette magique pour produire tous ces hits enchaînés? Avoir des recettes magiques en tant que telle. Hein. Il y en a une. Ouais, non. Non, il y en a une. Tu ne veux pas donner le secret. Il faut nous dire. Non, il n'y en a pas vraiment. Sérieux, moi, il dit toujours que la musique, là, sans l'inspiration, même, tu peux faire un hit. C'est ce qu'il dit chaque jour. Oui. La musique, c'est comme une dissertation. C'est comme si on te donne un thème et puis tu dois étayer. Tu vois, mon vieux, on t'a dit que joue. Comment tu as fait pour jouer? Comment tu vas faire pour jouer? Tu es en train de jouer. Tu as joué. Bon, et si tout de suite, je te demande de jouer? Tu me demandes de jouer, pourtant je ne peux pas jouer. Tu t'appelles comme maman, moi je ne peux pas. Bou, bou. Et que c'est les mains qui te fait danser. Tu prends en position. Bou. C'est simple, tu vois, non? C'est les wicks. En fait. L'inspiration est naturelle. Naturelle, franchement. Et ici, on aimerait bien te faire participer à une interview particulière. Comment? Oui, ça s'appelle l'interview colorée. Tu vas voir ça. Interview colorée, c'est maintenant. Allez, l'interview colorée de Didier Yema. Didier Yema, c'est simple, hein. Franchement. Tu vois, il y aura des cases, il y aura des couleurs. Et derrière chaque couleur, il y aura des éléments, soit photos, vidéos, des textes, je veux dire, plusieurs éléments comme ça. Et derrière, on va décrypter ensemble. OK? C'est bon, on peut y aller? Ouais. OK. Choisis ta première couleur. Le jaune. Le jaune. Voici ce qui se cache derrière le jaune. Oh! Ça va. Moi, pas bien de m'asseoir de ma voiture. Pour toi. Quand me voit demain. Si on va à Talagou, on dit que ouais, il s'agresse. On sait maintenant, vous dites non, faites à Talagou. Bon, on va faire quoi? On va aboyer. Wouh! Wouh! Didi. Wouah! Que représente. Oui. Ah, vas-y. Que représente Didi Arafat pour toi? Il représente une école pour moi. Il représente beaucoup. Oui. C'est la base du coupé décalé. Chaque jour. Il regarde un concert, son premier concert, il l'a fait. Chaque jour, il dit bien chaque jour. C'est la base d'une ère du coupé décalé. Ouais. Ça, il dit que c'est le coupé décalé. Non. Il t'a beaucoup inspiré. Il m'inspire encore. OK. D'accord. Ouais. OK. Justement, un mot pour l'enceinte de son départ. Ouais, il a fait un son même. C'est bon. En tout cas, mon vieux, j'espère que tu es fier de moi. Hein. Tu as vu qu'au moins, ma partition fait qu'on parle encore du coupé décalé. On est ensemble, ça va briller. On est dedans. Justement, voici l'hommage qui a été monté par Didi Yema pour Didi Arafat qu'on écoute en ce moment. Voilà. Et on profite de te demander ta prochaine couleur. Bleu. Le bleu. Derrière le bleu, voilà ce qu'il y a. Ah, tchè. Le Djekloa. Didi Yema, est-ce que tu gagnes bien ta vie en tant qu'artiste? Oui, vrai, vrai même. Mais j'investis aussi avec. Tu investis dans ma musique. Dans quel domaine? Juste dans ta musique? Il est mis un peu à côté, il investit beaucoup. Ok. Ouais. Ça a été quoi ton plus gros cachet? Ah, mon vieux. 2, 3, 4, 5, 15 millions. Tu peux te donner une fourchette, hein? De 50 000. Non! Entre? Bon, de 10 000. Ok. Entre, on dira entre 10 000. Voilà, entre 10 000 et 5 millions. Entre 10 000 et 5 millions. Pour une prestation. Pour une prestation. La fourchette est très large. Hein. Franchement. La fourchette est très large. Mais Yann, et toi, c'est quoi t'es caché? Quoi ça? C'est quoi t'es caché? T'es caché? J'ai pas compris mes cachets. Yann, est-ce que tu peux choisir la prochaine couleur pour notre artiste? Oui, la jaune. Il a déjà pris ça.
Tu ne suis pas en classe. Hey, tes lunettes, okay, là. Vert, vert, vert. Quoi ça, la le vert verte. D'accord, le vert. Ouais. On peut découvrir la couleur verte. T'as vu. Ton manager, ouais. ton manager Mariama, Mariama, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Elle est là, en plus. Ouais. Je lui dis qu'il y a... Et elle lui dit que là, elle a calmé son cœur. Elle a trop gros cœur, la fille là. Mais elle travaille super bien. Elle a qu'à continuer comme ça parce qu'on n'a rien encore commencé. Devant qui est bon. D'accord. Ensemble. Justement, comment ça s'est fait? Voilà. Cette connexion avec Mariama, tu aurais pu prendre une autre personne. Pourquoi elle spécifiquement? Pourquoi tu t'es tournée vers elle? Est-ce que tu la connaissais avant? Oui, elle la connaissait avant. Okay. C'est une ancienne danseuse. D'accord. C'est un de vous les danseurs, au fait? Bon, ouais, on peut dire que mon staff, même, nous tous, on est trucs. D'accord. Voilà. Donc, elle a beaucoup de connaissances. Mm-hmm. Et puis, bon, elle est sociable, on peut dire. Sociable. Et voilà. Tu l'aimes beaucoup? Ouais. Et je veux dire, au-delà de l'aspect professionnel, vous avez une autre relation, c'est ça? Non, amicale. Ah, d'accord. Ils s'aiment beaucoup, en fait. Vous aimez beaucoup. Il y a beaucoup d'amour, en fait. C'est quoi, tout ça, là? C'est une belle femme, hein? Ouais, c'est une belle femme pour un bel homme. Donc, vous aimez. Comme Guy... Non. Vous aimez. Hein? Ah, vous aimez. Ah, moi, si tu me dis, je prends, Ah, vous prenez. Prends. C'est bon prix comme cadeau. D'accord, c'est bon. Applaudissements. Oui. Guy Pacom. On va pour la prochaine. Oui, tu es en rouge. On va choisir le rouge. Le rouge, non? Oui, oui. Quand on parle d'amour, là, okay. On va choisir le rouge. OK. Hey. Ah, tu amour. Vois. Frappé. Didi et moi, est-ce que tu as un cœur à prendre? Désolé, je n'ai pas un cœur à prendre. Ah, c'est quoi, tu es marié? Passé. Je ne suis pas marié, mais je n'ai pas un cœur à prendre. Fiancé, hein? Je ne suis pas fiancé, mais je n'ai pas un cœur. Combien d'enfants? 2, 3, 4? Rien, mais je n'ai pas un cœur à prendre. Je vais poser une question. Vas-y. Tu n'as pas un cœur à prendre? Non. Faut nous dire ici, faut la caméra. Faut nous dire le nom de ta chérie. Ma chérie s'appelle Maman Sidonie. On est ensemble. Ah, bah, maman. On n'a pas entendu. Elle s'appelle Maman Sidonie. Maman Sidonie. Ah, ta chérie s'appelle Maman Sidonie. Oui. Donc, la chérie de Didi Yéman, l'artiste, votre artiste coupé décalé, Biama, s'appelle Maman Sidonie. Je vais en chérie. Okay. La chérie de Didi Yéman s'appelle Maman Sidonie. Oui. Elle s'appelle Sidonie. Merci. Sidonie. Merci. La femme de Didi Yéman. Sidonie. Merci. Voilà. Merci. Allez-le. Didi Yéman, vas-y, on te laisse choisir ta prochaine couleur. Orange. Artiste. Oui. Est-ce qu'on t'a déjà fait sentir que tu n'étais pas un vrai artiste? Oui. Oui. Comment ça s'est passé? Explique-nous. Ouais, dans le début de ma carrière, ils ont dit, mais lui, il fait quoi? Il crie sur moi, là. Danseur, là. Va danser. Arrêtez de chanter. Il chante rien de bon. Et ça comment tu as pris ça? Mais c'est ce qui a fait même que je suis celui que je suis. Mais je ne suis pas né chanteur. OK, tu es devenu. Je continue d'apprendre. Et puis ça donne ça aujourd'hui. Je suis trop fier de moi. En vrai. En fait, moi, je me dis que tu es né chanteur parce que je me dis que peut-être qu'il n'avait pas juste su. Après, là, je dis que tu es né chanteur parce que normalement, ce que j'entends, là, rythmiquement, mélodiquement, il y a foi, quoi. Ouais. Donc, peut-être que tu as découvert ça peut-être après. Voilà, on peut dire sinon, ça. Sinon, tu es né ça. C'est dans le sang. Il n'y a pas de... All right. Hey, mais Sambinga. Zamtam, na PBI. Na pirima tam tam na woto. Pib. De retour dans l'équipe du. L'équipe du. Les gars, vous avez les mains. L'équipe du. Allez, la douceur, Ibai, la suite. Oui. Bon, pour la suite, on va avec l'analyse Chepo. On a remarqué que les canulars de Yann Bana et TikTok, qui n'est pas là aujourd'hui, vous ont manqué. Mais Yann Bana va nous servir ça. Il va nous servir ça. C'est dans l'analyse Chepo. Yann, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Normalement, je vous réserve un surprise. Oh. Bon, on va appeler quelqu'un. Mm-hmm. Je vais me faire passer pour un ressortissant de Burkina. D'accord. Genre, je viens d'arriver, je suis nouveau. Et je l'appelle, depuis je suis là, en fait, je l'appelle, elle ne décroche pas. Elle ne décroche pas. Quand elle a décroché, maintenant, je lui dis, je suis là. Depuis 10 heures, il est 18 heures. Et celui-là, je ne connais pas ici. Okay. Que je t'attends depuis là.
Voilà. Donc, viens me chercher. Viens me chercher, je vais partir. Donc on attend. Il y a qui au bout des piles? Il y a qui au bout des piles? Ok, Didi, juste le temps de permettre à Yann de rentrer en contact avec son pigeon. Voilà, son pigeon, moi. Didi, dis-moi, comment tu te vois dans 2-3 ans à venir? Dans 2-3 ans, il me voit en train de remplir le casino. Le casino de Paris, hein? Ouais. Oui, on repart avec Yann Bana. Tiens, on a quelqu'un au bout du fil, vas-y. Allô? 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 Oui. Ouais, je suis là depuis 10 ans, même, j'appelle même là. Personne ne prend où. Le mec de cabine n'a même dit qu'il va partir où? Ah, depuis là, tu viens pas chercher Mazandil là, il va partir. Hein? Ah, c'est là. Quel Mazandil? Vous n'avez pas fait livraison là? Non. C'est compliqué. Je suis quitté jusqu'à Burkina. Elle m'a dit que depuis. Je ne connais pas Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment. Hein? Vous êtes trop numéro. J'ai dit que je ne me suis pas trompé de numéro. C'est le même numéro là qu'elle m'a donné ici, la madame. Pardon. Je ne connais pas Côte d'Ivoire. Je ne connais pas ici. Quand j'arrive à Burkina, là, j'ai pas un Burkina, j'arrive à Bongé. Quand j'arrive à Bongé, là, je descends ici là. J'ai des singes, je leur dis quand d'accord venir livraison de Mazandil là où. Je ne connais pas où. Moi, si c'est pareil là, je n'ai pas envie d'ouvrir pareil là pour que tu aies voir dedans où. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans où. Les policiers. Hein? Mais là, ce n'est pas moi. C'est comment? Madame, il faut regarder à cause de Dieu, hein? Madame. Mademoiselle. Madame Mabello, pardon, faut faire un coup d'indien, Je connais pas le code de voix, Wallahi, n'est pas pour les gros, mon code de voix, je comprends pas ce que vous comprenez. Pardon, vous pouvez me trouver là, pardon. Il n'y a pas les pires, monsieur de cabine, il n'y a pas les pires. Oui. En plus, il se moque. Madame, vous se moquez dans moi. Ok. Vous se moquez dans moi. Allô, madame. Vous se moquez allô, dans madame, moi. Allô, madame, c'est un candidat. Vous êtes sur l'équipe du midi, sur Live TV, avec Yann Bana. Merci. Aujourd'hui, c'était... Aujourd'hui, c'était le Chapoya Pro Max. Hein. Ouais, t'es aimé, non? Merci Yann pour cette analyse. Cette analyse, je pense qu'on va applaudir. Hein. C'était un beau canular. Le public était mort de rire. Notre artiste, on se retenait tous parce qu'il ne fallait pas rire. Sinon, elle allait entendre ça dans l'audio, dans l'appel. En tout cas, merci encore Yann. Merci pour ton talent. Il n'y a pas de quoi. Bravo. C'est-à-dire, on paye les gens pour... Ou dans le bureau, ben nous, là, c'est pour ces gens de Tchepo, ils vont nous payer. C'est incroyable. Hein. OK, merci Yann. Belle ambiance sur ce plateau. Didier et moi, on fera un petit jeu. Voilà, on va te mettre des sons, différents concepts, et tu vas nous expliquer un peu, je vais dire... L'histoire de ce hit-là. Et derrière, tu vas y esquisser quelque part dedans. C'est-à-dire, wow. Si c'est pression, tu vas faire le truc. Ouais. Si c'est... Tu veux laisser, tout, faut laisser, il va faire. D'accord. C'est qui veut dire? C'est qui veut dire? Très bien. C'est qui veut dire que place au jeu avec Didi Yémon. Très bien. On va t'inviter à te lever. On y va avec la première chanson. Quoi, il fait le pas d'abord. Les hommes pour laquelle on a dit vas-y, on fait ton temps, on était content parce que le temps qui était ton temps est devenu notre maintenant. Avec qui est-ce moulé, avec qui est ma douleur, avec qui est-ce moulé, avec qui est ma douleur. T'as vu maintenant qu'on a fait le coup, toi tu savais pas qu'on allait faire le coup. Demande à 15 ou 26 ans qui l'a voulu.
justement derrière la pression. Pourquoi ce titre? Pourquoi cette chanson? Qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson? Un artiste a des inspirations. Ouais, non, c'était lors d'un live. Lors d'un live, le jour de mon anniversaire. Et puis bon, il a demandé à mes chorégraphes de me proposer une danse. Et il y a une de mes danseuses qui m'a proposé cette danse, la pression. Et puis moi, j'ai créé le refrain. D'accord. Ouais. OK. Bravo. Bravo. Okay. Allez, on y va pour le deuxième. Vous appelez ça Maïmouna, bande des menteurs, le boss Mola, c'est du pur pédécalé. Ils vont descendre, défaler la récit dans le chiki. Il a raconté quoi là-bas, elle a dit quoi la fille, qu'est-ce qui s'est pas passé, c'est faux. Y'a le petit pas maintenant léger, oh, doucement, c'est léger, hey, doucement, léger, hey, doucement. Bravo, bravo. Dis, tu nous parles de ce titre? Ça, c'est Dindin. On appelle ça Dindin. Il faut arrêter de Dindin avant de faire ce que tu as envie de faire. Ah, parce qu'on ne sait jamais. Ah, tu Dindin et puis tu manges beaucoup de dindons. Tu veux faire des dons? Non, c'est toi qui t'as fait les dons. Tu t'es chargé. Parce que là. Tu manges du dindon. Tu vois que je t'ai eu. Non, c'est dindon. Il ne faut pas dindon. Il ne faut pas trop dindon. Ça dit que je mange du dindon. Mais dindon, on a dindon, on a dindon. La prochaine chanson, c'est un featuring. Moi, j'aimerais savoir pourquoi, pourquoi cette personne, spécifiquement pour le featuring, c'est Y'a pas quelqu'un. Ah! Y'a pas quelqu'un, ça, normalement, c'est un enjoyment. Okay. Je peux dire que c'est un freestyle. Okay. Parce que Joshua avait fait son son. C'est sorti il y a 2 mois. J'ai vu ça sur TikTok. Moi-même, lui ai envoyé un message pour lui dire, ça me plaît. Il m'a envoyé le beat, j'ai posé. Parce que lui m'a dit que lui, il a fini avec. Ouais. Donc, j'ai posé. Il a dit, OK, j'ai balancé ma partie. Comme toi, tu as fini. Okay. Moi, pour moi, on va commencer. Et puis, ça a donné ça. Et puis, ça a donné ça. Et puis, lui, il est venu me dire, on a qu'à tourner les clips. Très bien. Ouais. Donc, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un ici. Il n'y a pas quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un ici. Brrrr, de bien, va. Tête de bien, qui est de fait d'autres. N'a pas peur, n'a pas peur. Tu vois comment c'est bien fait, non? Ouais, c'est très très bien fait. Mais attends, comment tu arrives à faire le truc là? Tiens, arrête, 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 t'es blessé, t'es blessé. Ok, tu dis la suite, la suite. Je vous dis que les talents de Guy par contre en matière de danse, mais il laisse pas. D'accord, très bien. Tu sais quoi? On va prendre un dernier. Très bien. Un dernier de chez dernier. Tu vas nous expliquer l'histoire. Et ce morceau-là, c'est... Je vais balancer. Aujourd'hui, là, je vais sortir la face avec ta pose. Caca! Souvent je vais danser, mais je sais pas danser. Aujourd'hui là, je vais sortir la face avec ta pose. Caca, hey, caca, hey, caca, hey. Didi est bon. Dibaï, Didi, dis-moi. Après tout ça, tous ces sons là, ces hits là, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire de toi, tu es hitmaker. C'est-à-dire toi, dès que tu sors, ça cartonne en même temps. C'est la grâce de Dieu. Et ce son là, c'est le son d'Oyoki. Ok. Ah, Oyoki, oh, nanana. Au Nanayo. Très, très bien. Ouais. Très bien. Mais moi, j'aimerais savoir, en ce moment, ce son a fait beaucoup de débats sur les réseaux sociaux parce qu'on dit que cracra, les filles utilisent ça en même temps pour se montrer, pour être un peu, pour se faire voir. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu dis de ça? Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire? D'où est venu ce concept-là? Cracra. Dans les normes, c'est le Biama Gospel. Voilà. Biama Gospel. Oui. Le titre du son Biama Gospel. À cause des instruments qui sont en bas. OK. D'accord. Pan, 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 les trucs comme ça, ça fait gospel. Maintenant,
Cracra, nous, on a fait ça quoi. Nous, on faisait le premier pas comme ça. Okay. Et il y a un autre groupe, Aïda Debaros et Moussina Biola, qui ont fait ça. Okay. Donc, les filles, maintenant, sont venues exagérer elles avec le cracra descendant comme ça doucement. Je comprends. C'est ce qui a créé tout ça. Mais on ne peut pas les en vouloir. C'est chic. Mapuka aussi est chic. C'est chic. C'est que Cracra est chic. Très, très bien. Didi, on ne va pas te laisser t'asseoir. Mais juste avant, Ibai, pardon, excuse-moi. Juste avant, Didi, dis-moi, quel est ton regard sur le coupé décalé aujourd'hui? Le coupé décalé est là. Oui, parce que... Tu te revendiques coupé décalé ou bien... Parce que actuellement, il y a une petite polémique, on dit coupé décalé, Biama, nanana... Biama, c'est coupé décalé. Je t'ai pas dit. Ouais. David. Mais pourquoi c'est à moi tu dis ça? C'est à TikTok, Biama, fallait coupé dire décalé, ça. C'est clair. Biama, c'est coupé décalé. C'est comme si Arafat nous dit, aujourd'hui, là, il chante plus à ma bouche, hein. Il a chanté à mon pied. Okay. Tu vois, non? Il fait coup. Donc, tu as dit, c'est pas coupé décalé parce qu'il a dit ça. Non, le Biama, c'est le coupé décalé, seulement que c'est une nouvelle manière de danser. Tu es fier de tes gars? La team de Paul. Team de Paul, Pikachu, le Moine, Machiaya, la team Baron décalé. Tout le monde. Il n'y a pas de discours dedans. Le 6 décembre, mon concert live au Palais de la Culture. Je savais. On gâtait. Palais de la Culture. 6 décembre. Ouais. Ah, avant de gâter au 6 décembre, tu peux gâter ici même. Ah, oui. C'est déjà chaud. Prestation de Didi Yémor, s'il vous plaît. Didi! Nike on the track. L'original papa sa premier, il va monter ta tille, Winnie Dombo. Oui, c'est le petit matin, on monte le mec, c'est bon. Y'a vacances et puis y'a live vacances.